Alors, salut à tous, nous sommes partis en mer avec le Ship Simulator. Alors, on est parti avec, je vais vérifier la compagnie. Alors, ça, ce sont les différentes vues. Alors, on va vérifier le temps que j'arrive à là. Donc, alors, on voyage avec Peter Hoft, Rotterdam, un truc comme ça. Donc alors, voici les différentes vues. Voilà, maintenant on va rester comme ça. Je vais vous faire visiter un peu le bateau avec moi. Regardez un peu, il est comment, je pense que... Tiens. Donc moi je comptais pas faire de vidéo ce soir, c'est sûr à moi. Mais je l'ai fait quand même parce que je vais avec lui. Alors, on met le moteur à fond, machin, rien. Et on va faire quand même assez vite d'aller détacher. Et on détache ça. Voilà, on détache le bateau. Alors, on va reculer légèrement. Alors c'est cool parce que c'est la première fois qu'on fait du ship simulator. Alors voilà le bateau sur la carte là. Ce qui est cool, on peut le voir. Après, normalement, on a deux trucs comme ça et on doit aller jeter l'ancre. Ce qui sera cool, on va faire une première fois, on va jeter l'ancre. Ou une première. Et c'est une première vidéo, je suis pas trop fort en navigation. Mais on fait avec. Donc là, je suis un peu fatigué. Mais je me suis dit, pourquoi pas leur faire une petite vidéo de peut-être vite fait 15 minutes pour leur montrer la découverte du ship sur la bande. Alors, on va mettre tout. Continuer. Alors, ce jeu a des petits bugs vite fait au niveau de ces trucs-là. Et de ça. Mais c'est vite fait. S'il y avait des bugs, et c'est ça, je ne vais pas faire une vidéo. Alors, on met le bateau à fond devant et on accélère. Et on tourne ça à fond. Ça, c'est pour tourner juste la coque du bateau pour que ça puisse tourner plus vite. En fait, la coque, c'est-à-dire le devant là. Vous allez voir, ça va pourquoi ça a commencé à tourner comme ça. On va le faire déjà comme ça. Alors, ce bateau là, c'est un bateau moderne, on va dire. Mais par contre, le bateau que j'aime pas, c'est le Titanic. Parce qu'il faut vraiment respecter les normes avec le Titanic. Parce que sinon, on reste passé sur des pierres. C'est vraiment lassant. Je vous assure que c'est assez ennuyant. Donc, on va mettre ça à fond. Voilà, on a mis ça à zéro. Et on va ouvrir un peu la porte pour qu'on puisse voir un peu la navigation. Alors, on va dévouer, je vais mettre ça à peu près. Alors, les moins 24, tout ça, là, c'est les profondeurs. Là, c'est les ponts, là, c'est le ferry terminal, les ferries. Alors, après, il y a des quais de débarquement, il y a des grues. Et tous ces trucs-là. Alors, la voie rouge, je suis sûr que tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté de ce livre. Alors, je vais filmer ça. Et je vais faire vite le retourner pour voir que si ça passe là dans le bateau. Parce que je serai pas un capitaine de ne pas vous montrer ce qui se passe dans le bateau. Et ouais. Alors, j'ai essayé de vous faire un peu de notre simulateur 2. Mais le jeu bug.
Donc je vais voir si ça, ça s'est résolu. Et je vais essayer de vous faire. Alors, la commande va bientôt va arriver à peu près dans une heure de semaine, pour ceux qui n'ont pas vu ça. Avec le jeu surprise que je vous ai dit. Et ouais, c'est un jeu surprise, si je peux le dire. Alors là, je suis dans le deuxième poste de pilotage. Il est cool à peu près. Bon, on retourne, on va, je vais vous montrer le troisième. Voici le troisième. Le premier et le général aussi. Alors, je vais vous dire les petits défauts de Shit Simulator. Les défauts, c'est vraiment rien de grave parce qu'il n'y a pas assez d'écran qui disparaissent pour ça. Ou ça les bas de son. Il n'y a pas assez d'informations comme plus de GPS, pas un GPS comme ça. Et des signaux sonores. Il manque. Alors je vais aussi un peu le volume. Désolé pour le bruit derrière. Il manque vraiment des signaux sonores. Alors je vais vous faire écouter le garçon. Ah non, mais il ne veut pas klaxonner sur moi, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Donc c'est pas grave, si je peux vous montrer une autre fois. Parce que c'est pas une seule fois qu'on aura joué sur ce bateau-là. Alors moi je dis que ce bateau-là, il va plus vite que le Titanic. Oh là là, mais il y a du brouillard ou quoi? Alors, on va sortir du détail. Là, c'est vraiment fort. Alors, vous entendez le bruit là, je pense. Ah, voilà. Oui, je vais aller régler un truc. Je sais pourquoi vous n'entendez pas le capteur. Alors, son. Voici Engine Vol. Appli, c'est une idée. Voilà. Et voilà, on retourne. Voilà. Et voilà. Alors j'espère que vous allez voir cette vidéo quand même. Vous allez aimer. Franchement, je vous dis de télécharger ce jeu là. Chip Simulator est bien. Il est cool. Moi, c'est un jeu que j'aime spécialement. Si vous le tiens. Et aussi. Il est cool quand on joue ensemble. En fait, on peut s'ennuyer parce que, après, regarde, si on a un bateau qui va à 2 à l'heure, comme celui-là, ou Titanic, je vous assure que c'est lassant. Mais bon, on fait avec. Donc, alors, ah, voilà, je vais vous faire écouter le klaxon. Alors, vous entendez? J'espère. Donc, c'est ça le klaxon. Donc alors, on va tourner parce qu'on va aller, on va passer le plus près de l'île. En fait, je sais ça parce que j'ai déjà fait cette mission de nombreuses fois. Et je trouve aussi que cette pièce-là, elle est vide. Franchement, sans vous mentir, elle est vide. On peut même prendre cette salle comme une salle de discothèque. Là, j'ai dit que. Alors, on va en une 3. Ah, vous voyez, quand je la montre, des trucs comme ça, regardez, vous voyez, ça fait des petits bugs au niveau des temps, tout ça. Oui, c'est ça aussi, au niveau des graphismes. De Ship Simulator. Donc, ce truc-là, c'est des trucs de contrôle. Si on voit qu'on peut définir ça, on peut l'enlever. Moi je préfère l'utiliser, sincèrement. Donc ça serait comme si on pouvait faire toute une vidéo, toute la mission. Parce que moi je sais pas si je vais faire en dessous parce que c'est un peu rien. C'est tout, c'est tout. Sinon je suis obligé de faire des vidéos le soir.
Sinon, j'ai pas le temps de mettre le lendemain, j'ai l'école. Mais c'est bon, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on est au week-end. Et ça ira mieux. Alors, il faut passer dans le truc vert comme vous le voyez. Alors, je vais me mettre la carte. Voilà, on est passé. Alors, on va continuer l'île. Je ne vais pas faire une marche arrière. On va passer sur cette île-là. Je vous assure que je vais plutôt contourner l'île. Parce qu'on est le meilleur pour le capitaine que je suis. Donc voilà, on va se déplacer un peu parce que je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. Le chip là. Et oui, on est en notre meilleur. Alors, comment on va se passer cette île-là? Alors là, je vous dis assure que c'est vraiment la galère parce que c'est là là. J'essaie le plus de vous éviter ça. Parce que franchement, moi si je regarde une vidéo, en fait je m'interdis de regarder une vidéo et que ça fasse ça. En fait, je m'interdis maintenant. Alors, là on dirait que tu me coupes. Alors là, c'est un lag un peu. Je vais vous montrer différentes caméras, différentes vues en naviguant, comme ça. Allez, j'ai été une mesure, je vais regarder. Allez, là, on est passé à travers le bateau. Voici un défaut aussi. On devrait ajouter à ce. Et voici la porte à vous. Par contre, ça, je sais pas. En fait, oui, je sais, c'est une espèce de boucle qui remonte, mais je ne sais pas quoi dire. Je vais essayer de regarder et je vous dirai dans la prochaine vidéo. Parce que là, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Allez, ça c'est tout. Alors, comment il va aller là? Je vais aller plus en bas du bateau. Je vais vous amener. Là où ça amène, parce que ça m'amène parce que bon, en fait ça ramène à un endroit, mais on peut pas aller plus loin, c'est un peu embêtant. C'est ça qui est vraiment dommage aussi, c'est que dans ces gros bateaux on peut pas voir les passagers, c'est vraiment dommage. Sinon, c'est la merveille. C'est la merveille de tout capitaine. Oh là là, mais regarde ce qu'elle est. Je crois qu'on est arrivé à un second étage, je pense. Ouais, c'est bon, là, je pense qu'on est arrivé à tout. Alors, ça, ce sont les canaux de sauvetage. Ça fait à peu près comme le Costaco. Le Costaco Borgia, il va avoir des là. Ça, ce sont les salles de machines. En dessous, le Cosero, ce sont tout ça, les salles de machines. Donc, on va retourner à nos fonctions, Alors, voilà, on est retourné. Alors, je vous montre la porte que je peux utiliser. Ah, non, je vous ai déjà montré cette porte-là, donc ça sert à rien. Donc, je vais vous montrer une porte. Bon, ça va afficher ici. Alors, ça, c'est la localisation. À combien de distance, à quelle distance on est entre ce truc-là, entre l'autre, ce truc, vous savez. Alors, après. Pourquoi j'ai mis la porte? Ah, imaginez. Alors, là, ces deux trucs là, c'est. Alors. Attends, mais je. Non, c'est.
Alors, ces deux trucs-là, c'est à combien les moteurs sont poussés. Moi, je les ai poussés à toutes pour aller plus vite. On dirait que je les ai mis à 1%. Après, là, c'est quand je tourne à gauche et là, c'est quand je tourne à droite. Là, c'est les dommages du bateau qu'on a posé, mais c'est qu'on a résisté aux dommages. Ce qui est cool pour nous, au capitaine. Ah oui, je dis capitaine, capitaine, capitaine. Désolé. C'est la vérité. Alors, je vous ai tout dit, sinon les autres petits chiffres là, ils sont pas rien. Je vous montre. Voilà. Attends, là. Le bâtiment, c'est pas aussi moi. Je trouve qu'il est vachement ralenti. Allez, on espère qu'il va arriver assez vite, celui-là. Bon. On va parler du flou, tu vois. Alors, je vais vous prendre pendant ce temps-là. Alors, il vous reste après la surprise. Si vous aimez Simulator, je verrai sur le nombre de vues. Je vous donne un délai de 2 mois pour avoir regardé la vidéo, cette vidéo. Si ça dépasse plus de 150 vues, eh ben je referai une, mais pas souvent comme tu veux, un truc Simulator 2. Et après, il y a un autre jeu qu'on verra beaucoup sur la chaîne. C'est le jeu qui va arriver, mais top 7 personnes, là, c'est ce que c'est. À part ceux qui font des recherches, on me dit, donc peut-être que vous savez, parce que je vous avais donné comme des indices. Si vous avez cherché, c'est cool. Enfin, on arrive à tout. C'est comme ça. Enfin, j'ai plein de capitaines qui ont le bateau qui vont à 2 à l'heure. Alors, on va sortir maintenant qu'on veut l'extérieur. Ah, alors, on va enlever ce truc-là. On va s'en aller l'extérieur. En fait, j'ai l'impression comme ils ont rien trouvé. Mettre là, ils ont mis ce genre de truc-là. Là, moi, je dis qu'ils ont aidé, que c'est bien. Mais qu'il y a trop d'espace, il est vide là. Je vais voir si je vais le mettre parce que. Il fait qu'à sa tête. Alors là, à part le jeu, je ne vais pas vous dire ce qui est arrivé. À part le jeu, je vais vous dire ce qui est arrivé. Alors, un enfant sur PC et un micro. Ça va faire l'ordinateur moins lagué en fait d'avoir le refroidi sur PC. Parce que c'est-à-dire que quand il refroidit lui-même, il doit prendre de l'énergie pour activer les disques et le disque dur doit le limiter aussi. Sans compter la partie meilleure HD 3D que j'ai. Bon, alors quand on arrive sous la première, ça va un peu laguer là. Et là, des fois, regardez, là ça va aller moins un peu. En fait, c'est comme on arrive sous le pont. Hop. Allez, on est presque arrivé. Allez. Un petit lag de victoire. Attends. Alors, on va mettre c'est ça. Et regardez, là ça va aussi. C'est ça que j'aime pas avec ce jeu-là. Alors, on va encore revenir. Voilà, alors on a réussi. Alors maintenant, ça va charger un peu. Enfin, j'espère, oui, ça va charger pour qu'on puisse aller jeter l'ancre du bateau. Enfin, j'espère que ça aura bien chargé.
Non, pourquoi ça a fini ça, le petit? Alors, on remet tout cela à zéro et on accélère à fond la caisse. Donc, alors, ceci est un peu long. On va essayer de le faire comme on va remettre ces trucs-là. On va sentir un petit peu. Là, on entend plus de bruit dans ce mur. Et là, je voudrais vous faire écouter. Non, en fait, désolé, j'ai regardé si le bateau avançait vraiment. Alors, je vais vous faire écouter le klaxon là. Vous voyez, le klaxon est peu développé. Alors, un capitaine qui reste cassé comme un gros. Laisse tomber. Alors, je pense que c'est la dernière fois que je ferai une petite vidéo de ce bateau-là parce qu'il est vraiment trop long. Et il saoule beaucoup de gens. Alors, un moment, je suis un peu dans ce bateau-là pour faire le temps passer. Alors, fais vite mon petit bateau. Regardez, ça bug un peu toujours. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va prendre le temps. C'est vraiment désespérant de voir ça. On est loin toujours. Alors, j'espère qu'on ira jusqu'au bout si on dit ça parce que c'est un mur là, je peux dormir. En fait, ça va moins dormir. Alors, moi, j'ai le 3. Là, c'est profond. Si c'est à moins 23, c'est que c'est profond. Regardez sur la côte en haut à droite. Si vous voulez voir de quoi je parle. Après moins 23 et moins 24, et surtout qu'on passe au milieu. Donc ça va peut-être faire peut-être un taux de profondeur de soit entre moins 24 et moins 23, on fait pas, il n'y a même pas entre. C'est soit moins 23, moins 24, ce qui passe. C'est soit ça passe ou ça casse. Alors on est presque arrivé. Donc on a du courage pour pouvoir affronter ça. Le pire cauchemar du capitaine. MDR, là, il faudra là, si vous voulez, le péripétie pour le capitaine. Parce que c'est trop là, ce moment-là. Enfin, moi, je vous dis, j'espère que le capitaine ne s'en est pas comme ça à son bord. Parce que sinon, je le plains, ce capitaine-là. Mais bon, il paraît qu'ils sont bien. Ben, d'ailleurs, je voulais chanter la chanson de Mista, mais non. Là, je voudrais la commencer, mais elle date quand même. Ah, tout le monde dans la cabine. Alors, je suis mort ventre. Ok. Vous avez rien vu? En fait, j'ai l'impression que c'est Action qui a un petit problème au niveau du jeu, ce qui m'attendait. Donc, je vais le refaire, mais pas ce soir. Pas du tout ce soir. Alors, il est quand même 3h du matin. Parce que 4h, pourquoi faire du truc qui m'attendait à 7h? À 7h, là, tout le monde dit, oh là là.
Mon ami, petit mon. Oh là là, je suis amoureux de Moïse, t'allais me dire, j'ai mis l'oeil. Allez, fais vite, fais vite, fais vite. Alors, on est presque arrivé, oui. Alors, on est presque arrivé. Oui, enfin. Ouais, on est presque arrivé parce qu'on va ça là, je suis d'accord. Alors, laisse-moi ouvrir la porte. Alors, on va passer quand même assez de l'île. J'aime bien comme le bruit. Quand on dit le bruit, c'est agréable à entendre. Alors, on va retourner à l'intérieur là. Alors, voici le point vert là, moi je le vois. On est sur les montures. On ferme le point là, je reviens. On ralentit la vitesse. On ferme l'extérieur. Alors, ma chariot, j'engage le moteur là, ma chariot. Alors là, je pense qu'on va trop vite quand même, vous pouvez voir. Jeter là. Oui, c'est ça, on va trop vite pour jeter cette eau. Oh, fond de merde. Alors, là, j'ai jeté là. Et là, je jette la résolution. Et ça sera terminé parce qu'on va dire c'est terminé. Parce que samedi, mission Inch. Donc, on se retrouve. Bon, je trouve que le bateau bouge drôlement quand j'ai amarré. On dirait même qu'il va se converser. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Games à plus tard.